Oui. On essaie de le faire. 3. Reculez. Je peux tracer bas. Je peux main à main. Je peux écran porteur. Je peux chasse. Et je peux post-up. Ça fait 4. C'est parti. Hop. Course. Non, stop. Le ballon est arrivé là. L'objectif, c'est de lui laisser le plus de place possible. Reste là. Et de lui donner un choix de passe. Joue à contrainte. Oui, mais regarde. Si tu fais ça, tu lui donnes pas de choix de passe. Reprends la balle. Mets-toi en défense sur lui. Donne-lui la balle. Voilà. Si tu ne bouges pas, est-ce que c'est facile de te donner la balle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vas-y, dribble. Attaque. Frappe en dos. En raison. Hop. Peut-être que c'est pas possible. Mais parce qu'il te suit, lui, il a de la place pour jouer à contrainte. Alors que si tu ne fais rien, il va pouvoir venir aider. Toi, si tu donnes la balle, c'est la même chose. Tu donnes lui un chou. Voilà, on a compris. Ici, là, tu repars en bas. Et vers le milieu. Bon, par exemple. Une règle de base. Prends la balle. Écarte-toi parce que tous les deux, vous faites beaucoup. Pénètre ton dribble. Pénètre ton dribble et donne-lui la balle. Stop. Après, quelqu'un qui drive. Pénètre ton dribble. Tu ne peux pas dribbler. Parce qu'à chaque fois que je vais dribbler vers le cercle, prépare-toi. À chaque fois que je vais dribbler vers le panier, qu'est-ce que va faire la défense? Elle va se resserrer. Donc si je donne la balle et que toi tu dribbles ici, la défense elle est déjà là. Donc tu es sûr de perdre. Donc à chaque fois vous allez jouer comme ça. S'il y a quelqu'un qui pénètre en dribble et que je te donne la balle, tu as deux choix. J'attrape, je tire. Ou j'attrape. Et je fais une extra passe. Et là, toi, tu pourras repartir en ligne. Parce qu'il y a deux passes. Oui. Alors, attention, il y a beaucoup de choses ce matin. Hein. Les règles d'hier. Premier regard intérieur. Spacing. Mobilité. Rebond repli. Sélection des shoots. C'est quoi un bon tir? Les règles de ce matin. Pas plus de 3 secondes, balle en main. Pas plus de 3 secondes dans le même spot. Pas de tir avant 3 passes. Ce serait la même chose. Pas de dribble avant 3 passes, ce serait mieux. Ça obligerait à mobiliser toute la défense. Et la dernière chose, les manœuvres à deux joueurs. Je peux passer bas. Je peux main à main. Je peux porteur. Je peux... Viens faire aller mon porteur. Voilà. Je peux... Chasse et je peux post-up. Oui. Attention, violet la balle et vert en défense. Ligne de fond les violets. Ligne de fond les violets. Prêt, violet. Hop. Backdoor, on prend la balle. Backdoor. Allez. Voilà, et ça joue à vous. On reste pas dans le même spot. Repos, repli. C'est pas terrible, hein. J'ai pas vu les jambes ici pour récupérer la balle. Se mettre face au cercle. Vert, hop, vert, vert, vert. Pas plus de 3 secondes, balle en main. Pas de dribble avant 3 passes. Bien, joue, joue, joue. Deux dribbles, passeuse, précise. Mobilité, poste, poste-toi, poste-toi. Regardez. À quoi il faut servir les deux dribbles? T'en mort, t'en mort. Spacing, c'est pas bon. Regarde, déjà tu reçois la balle ici. Tu fais deux dribbles sur place. Commence en étant plus large et là tu auras de la place pour dribbler. Le dribble, vous l'utilisez pour attaquer le panier. Pour sortir de la défense si on vous prend à deux, ou pour ouvrir un angle de passe si jamais vous êtes fermé pour faire une passe. Les dribbles sur place, ça sert à rien. Violet la balle, vite. Lerno qui marque, il y en a un qui est tout seul. Violet, hop! Bon! Et regarde l'intérieur, regarde! Tout de suite, on sait, force pas, règle! Tu ne peux pas lui la donner, il n'avance pas! Bien, encore, mobilité sans ballon! Il va trop loin! Joue sans ballon! Joue sans ballon! Joue sans ballon! Toi, tu regardes! Toi, tu joues d'abord pour essayer de marquer et après de faire la passe. Et t'as pas vu que lui est déjà arrivé. Comme là, tu ne peux plus rien faire, tu
la sorte. Donc la base, c'est la faveur. Il faut que tu le vois avant. Lire les ailes avant qu'elles soient dans vos bras. Fais, hop. Oui. Premier regard intérieur. Pas de dribble avant 3 passes. Pas de tir avant 3 passes. Les manœuvres à deux. Ballon perdu. Vous êtes trop proches l'un de l'autre. Violet, vite. C'est pas terrible, messieurs. Les filles ont mieux fait. Pas de tir avant 3 passes. Je peux passer bas. Je peux main à main. Je peux écran porteur. Allez. Il va les resserrer, 79. Extra passe, la personne. Vert, vite, c'est parti, vers la balle. Hop, il y a la balle. Ouais, un chausset. Mobilité son ballon, poster. Arnaud, encore. Chasse-le. Bien. On cherche un chausset pour un poster. Arrêtez de dribbler derrière la dribble. Poster, par exemple. Bon, repli. Allez, on va, il a réagi. Gueulez la balle. Pas comme t'es grand, tu devrais avoir en tête post-up un peu plus, toi. Je l'ai vu une demi-fois, il restait une demi-seconde et t'es parti. Reste un peu plus longtemps. Arnaud, quand t'avais la balle, écris pas dans le post-up. Si tu prends le temps de regarder premier regard intérieur et que Manuel, il est dans le post-up, ça te permet d'essayer de lui donner la balle ou de faire un dribble pour lui donner la balle. Et là, t'as pas regardé. Violette. Violet, hop! Qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de gêner? On recommence. Reviens, reviens. Joue le main à main avec moi. Comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour pas te gêner? Hein? Ah, joue dans le dos, Dardo. Joue dans le dos. Voilà, continue! Poste-t'es. Non! Est-ce que t'as fait premier regard intérieur? Alors, vas-y, c'était bien, grand. C'était bien. Là, il est plus grand. Mathilde. Bien. Attends, défense sur moi. Attends, défense sur moi. T'as plus de temps? Bien, t'es déjà sous le panier, c'est bien. Alors, fais la même chose sur lui. Hop. Appuie-toi dessus. Haut les mains. Les deux mains en haut. Voilà. Et pas plus de 3 secondes, après tu libères. C'est bien. Regarde l'intérieur, tu peux lui donner la balle. Vers la balle. Hop. Oui, premier regard intérieur. Jouez son ballon. Poste-le. Appuie-toi dessus. Et voilà. Défends sur moi. Donne la balle. Défends sur moi. C'est pourquoi tu n'as pas besoin. En place, c'est parti. Violet là-bas. Hop, oui, vite, Violet. Là, c'est bas. Main à main, allez. Bonne passe. Haute, Violet là-bas. Vite, c'est parti. Passez bas, main à main, poste. Après, derrière un dribble. N'a pas regardé le panier. Écran porteur, je vois que deux dépassés coupés, encore un, bien, d'accord, très bien. Et au bout de 15 secondes, je vois une chose différente. Dernier passage pour les verts. Prêt? Hop! Oui! Manière, Robin repli! Arnaud pas vu, Robin pas vu. Les violets, mettez-vous en défense. Les verts, mettez-vous en attaque. Vite. Les verts en attaque. Attention, on ne s'arrête pas sur le demi-terrain. Dès que vous avez fait un tir, les verts, les violets, vous repartez dans l'autre sens. Vous avez dû voir hier l'utilisation des trois couloirs. Il faut que le ballon, après un rebond, que ce soit en passe ou que ce soit en dribble, mais le ballon, il va très vite ici. Le joueur qui est dernier, qui a panié, qui fait la mise en jeu, celui qui a pris le rebond, qui a donné la balle. Il doit arriver en retard, normalement, et il doit couper dans la peinture. Et vous commencez par vous poster. Poste. Un, deux tirs, et on s'arrête là-bas. Prêt? C'est parti, jouez sans ballon.
de son ballon. Bosseur, joue un contre un. 8 contre 1, bonne passe. Au fond. Au fond, repli. Stop. On fait la remise en jeu. Est-ce que tu peux aller vite de l'autre côté? Ouais, alors, pour aller vite de l'autre côté, vous ne pouvez pas aller vite de l'autre côté si vous courez comme ça. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas courir là pour aller là-bas et aller vite. Est-ce que tu étais un jeune? Il faut chercher à utiliser des banana cuts. Est-ce que c'est une banane? Est-ce que ça s'appelle? Est-ce que vous... Eh bien, voilà. Cut, ça veut dire couper, défense sur moi. Si au lieu de courir là, il faut que je cours ici pour recevoir le ballon. Spacing! Non! Spacing! Merci. Pas balle dehors, toi. Allez, gars. Bien attaque le panier, regarde, 2 contre 2 sur demi-terrain, attaque, fixe le dernier défenseur et tu donnes la balle. Encore, vers la balle. Je mets la balle en 2 contre 2. Hop, c'est parti, banane à queue. Avance. Eh oui, si tu savais que les mains gauches, débarquez-vous. Tant mort. Tu viens de faire la banane à queue, il faudrait être capable de faire quelques drills de main gauche. Parce que tu reviens tout de suite de l'autre côté, sauf que si tu fais ça, le défenseur il te suit, tu reviens où il est. Tu vois ce que je veux dire? Quand vous êtes devant, refais marche arrière, remise en jeu. Vite, refais ton banana cut, toi. Non. Recommence depuis là-bas. Et tu coupes devant lui. Stop. Donne-lui la balle. Tu vois, tu peux pousser la balle, même avec ta main droite au départ, et tu cours. Toi, tu cours le long de la ligne ici. Tu as deux façons, regarde. Ou lui, il est déjà en avance sur toi et ça ne sert à rien de courir ici. Il faut que tu sois un relais pour qu'il y ait spacing. Si tu cours à 15 mètres, ça ne sert à rien. Toi, c'est pareil. Regarde. Si jamais le ballon arrive dans l'air, ce que j'ai mis, va te mettre jusque dans le fond. Ça, c'est bien. Et toi qui viens de faire la remise en jeu, c'est Théo. Ouais. Tu coupes au milieu. Et toi, après ta passe, tu passes, tu coupes, et toi, tu arrives en dernier. Mais ne jamais courir à 15 mètres, tu peux faire semblant de courir et tu reviens pour chercher la balle, pour que tu sois un soutien de passe. Encore, remise en jeu. Hop, tu peux faire la bonne à la tête dans le centre, hein. C'est parti. Cours. Reviens, Jérémy. Passe, cours. Continue. 2 contre 1. Tire. Rebond. Hop, on joue, passe. Hop, tombe mort. Est-ce que les coachs, hier matin, vous ont fait faire quelque chose comme ça? Mets-toi sur la ligne à 3 points. Mets-toi sur la ligne à 3 points. Voilà, stop. Est-ce que vous n'avez pas travaillé ça? Non, range-toi. Avancez en dribble. Et c'est en dribble sur le côté. Alors, tu ne sais pas le faire. Parce que là, c'était exactement ce qu'il fallait faire. Tu récupères la balle, il y a plein de place ici, il faut que je sois capable de frapper et d'enchaîner. En place, c'est parti. Prends un tir ici, Arnaud, et on enchaîne de l'autre côté. Vite. Au bord. Vers là-bas. Tu ne sers à rien, 63, tu ne sers à rien. Vite. Continue. Relève, passe bas. Je vois plus là. Rebond, repli, jouez, avance, vers l'avant, lâche ta balle. 63, 62, 79, vous servez à rien. Changement, mais sur le banc de touche. Il est tout seul. Vous trois, vous servez à rien. Il est en train de monter, il récupère la balle, il monte en dribble. Vous n'avez pas la balle et vous allez moins vite que lui. C'est pas possible. Toi, tu es toujours devant, mais tu cherches pas à recevoir le ballon. Bien, reviens ici, Jérémy. Faites marche arrière, il n'y a que... Guillaume, regarde. Guillaume, tu te caches bien dans les coins, toi. Et ça ne sert à rien de se cacher. Tu vois, regarde, quand j'ai beaucoup d'avance, je pourrais venir ici pour essayer de récupérer la balle. Je pourrais couper sur la ligne de fond, tiens, et revenir ici. Et toi, Jérémy, tu vas pouvoir couper vers le panier, donc je te la redonne, si je ne prends pas le tir.
tout le temps avec quelqu'un qui peut aider celui qui est là-bas. Right? Right. Rapprochez-vous du rond central, vite. Vite, 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 5, 4, 3, 2. Alors, il est déjà très tard. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de contenu ce matin dans l'aspect tactique ou le travail individuel. Il faut quelque part vous garder ça dans vos têtes. Vous n'allez pas tout retenir. Vous allez en retenir deux ou trois. Et puis il y aura un entraînement de plus cet après-midi ou ce matin. Vous allez en retenir encore deux ou trois. C'est comme ça qu'on progresse. On ne retient pas tout. Et vous devriez être capable de retenir un, premier regard intérieur. Deux, spacing. Trois, mobilité. 4, sélectionner ses points de tir. 5, rebond et retour. Après, les règles de 3. Pas plus de 3 secondes balle en main. Pas plus de 3 secondes dans le même spot. Pas de tir ou pas de dribble avant 3 passes. Et les manœuvres de joueurs. Je peux passer bas. Je peux main à main. Je peux pick and roll. Je peux chasse, je peux post-up. C'est comme à l'école, hein? Comme à l'école. Un L et un A, ça fait là. Et bien, au basket, c'est pareil. On joue à deux d'abord. Après, on jouera à trois, il y aura des manœuvres à trois. Après, il y aura des manœuvres à quatre, à cinq. Il y aura des manœuvres avec un joueur quand je donne la balle intérieure. Voilà. Vous allez construire votre basket. Right? Right, coach. Avec... Coach Ben, le groupe de Coach Ben, vous mettez, non, il n'est pas là-bas, mais vous pouvez y aller en courant. Vite, 5, 4, 3, Coach David, hop ici. Coach Ben. Coach Ben. Et Coach Ben, hop.